et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Vous connaissez la musique, nous sommes samedi, j'ai mon émission à filmer, je n'ai plus de batterie en plus ici. Du coup je vais en profiter pour vous mettre à recharger pendant le tournage. Nouvelle tenue absolument magnifique, on adore du rose. J'ai un make-up qui n'est pas vraiment un make-up, c'est surtout une skincare. Je vais aller filmer, l'émission est courte, j'en suis ravi. Et après on va passer une petite semaine seule étant donné qu'Eliott part se faire opérer dès demain. Donc voilà, je vous raconterai tout ça. Là maintenant, il faut que j'aille filmer parce que je suis un petit peu à la bourre ce matin. Donc let's go, on va aller filmer. Hi again, it's encore me. It's encore me, ça veut rien dire. Je sais pas si vous êtes droit, je comprends pas. Je viens de finir le tournage de mon émission. Il est 11h22, j'ai filmé ultra longtemps, c'était pas prévu. Vu que honnêtement, mon look est grave beau. Attendez, je mets juste du crayon. Je disais, vu que mon look est grave beau, je vais filmer 2-3 réels avant de rentrer. Alors là, si je m'écoutais totalement, je dirais à Eliott, viens, on va à la boulangerie. Oula, il a jamais été ouvert, lui. Arrive, je vais prendre celui qui est ouvert. Je disais donc que si jamais je m'écoutais, j'enverrais un message à Eliott et je dirais, viens, on va à la boulangerie chercher des salades et tout, et on vit notre meilleure vie avant que tu partes. Ah, c'est glace. Oh, trop beau, j'adore ce gloss. Si vous voulez la référence, c'est la teinte pétale de Beauty Bay. Ils sont incroyables, je les aime trop, les pétales. Vraiment trop cute. Mais c'est pas raisonnable, faut que je garde mon argent, on déménage les gars. J'ai envie d'une salade César là, je sais pas, j'ai trop envie de ça, ça me saoule. Bref, du coup je vais me poser un petit peu sur l'ordi, je vais écrire 2-3 réels. L'avantage d'écrire des contenus courts, c'est que c'est court, donc c'est facile à écrire. Et je vais les filmer, puis je les montrer au fil de la journée. Il se peut que vous ayez vu l'ancien weekly vlog le dimanche, je sais pas si je vais réussir à le monter aujourd'hui. Je verrai. Mais là au moins déjà j'ai filmé MTT, ça c'est grave cool parce que bah il était long finalement. Je vais essayer de faire un réel People US, un réel People France, un réel télé-réalité je pense. Je vais essayer, je sais pas si j'ai le temps. En tout cas je suis vraiment fan de mon look du jour, le blush, tout. Et puis le fait que la tenue soit rose, genre je trouve ça va vraiment ensemble. Est-ce que j'ai eu ce titi tout le long de l'émission? J'espère pas, j'espère pas, my god. On a même été faire des photos et tout, je suis trop content, j'adore cette journée, love this day. C'est parti, tournage de réel, let's go. Les réels sont filmés, je trouve pas mes barrettes. Du coup, bah, j'ai terminé tout le côté tournage de la journée. Je pense faire quand même du montage ce soir, enfin aujourd'hui. J'aimerais bien quand même vraiment cut MTT. J'arrive pas à monter le vlog, pareil, au moins juste le cut. Mais histoire que des choses soient quand même faites et pas que je fasse rien. Mais en tout cas, je répète, si vous avez pas vu le weekly vlog le samedi, c'est pas grave, il sortira le dimanche matin. De toute façon, je vous parle de ça, mais il est déjà sorti là. Là, du coup, je vais rentrer, je vais essayer de négocier pour une boulangerie si c'est possible. De toute façon, dans tous les cas, on doit partir, donc je me dis que tant qu'à faire. Et après, on verra bien ce que je fais. Mais stop, oui, je vais bosser beaucoup sur l'ordi. Et en plus, j'ai un projet que j'aimerais mettre en place. Donc je vais commencer à essayer de regarder un petit peu tout ça. Thank you.
Hello le vlog, on est dimanche et j'ai vraiment une sale tête. Aujourd'hui c'était le montage de mon émission pour ma chaîne principale et c'était aussi le départ d'Eliott pour la clinique, donc là il rentre mercredi, peut-être mardi, on sait pas encore mais je pense mercredi. Je vous ai pas pris aujourd'hui parce que du coup j'ai beaucoup profité un petit peu bien sûr avec Eliott. Là bah je suis avec les animaux, d'ailleurs Blue a volé la peluche d'Ethan, il est pas censé faire ça mais je vais le laisser faire pendant que je suis en train de filmer cette séquence parce que sinon ils vont me refaire la guerre, parce qu'il faut savoir que quand on est que seul à la maison, les chiens nous font la guerre. J'ai également relancé mon podcast Sans Artifice, ça faisait quelques jours que j'étais dessus, d'ailleurs je pense que hier vous avez peut-être vu une séquence, un plan qui parle de ça. Bah du coup je l'ai relancé, voilà, à raison d'un épisode par semaine, j'espère que ça plaira. J'avoue que je suis pas à l'aise d'en parler parce que, je sais pas, c'est un exercice qui est différent du fait de filmer des vidéos parce que bah y a pas ma tête et du coup tu peux totalement te lâcher et dire tout ce que t'as à dire dans le podcast. Et du coup je trouve que c'est un exercice qui est totalement différent. Salut Blue, t'auras pas mon café hein, au cas où. Et du coup je suis pas à l'aise d'en parler en caméra, mais voilà. Ce soir je vais me faire certainement un petit plat. Arrête de jouer, de ce dont je parle. Il s'en fout, c'est bien ce que je dis, quand on est seul il s'en fout. Et on verra bien ce que ça va donner pour les prochains jours. Après moi je vous avoue j'ai énormément de travail, du coup ça va passer vite. Ça m'embête juste en fait de pas pouvoir être près d'Eliott parce que j'ai décidé de passer le permis plus tard. Et du coup bah pour cette opération là je ne suis pas là. Mais s'il y en a d'autres je serai là. Mais voilà, c'est donc ça pour aujourd'hui. Et puis bah de toute façon je vous prendrai demain, je vous prendrai peut-être tout à l'heure. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait mes ongles. Il y en a déjà un qui s'est cassé, génial. Si j'arrive à attacher mes cheveux je vous montre. Je savais pas quelle couleur choisir. Du coup j'avais décidé de mettre les trois, bleu, rose et vert. Mais comme vous le voyez, il y en a déjà un qui est parti. Après ça fait un style, ça fait une autre couleur, nude, pourquoi pas. C'est tout pour là, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que je vous reprendrai peut-être tout à l'heure, je suis pas sûr. Mais là je vais aller me poser et peut-être avancer sur 2-3 autres épisodes de podcast parce que, en gros, pour vous expliquer le problème, c'est que pendant la saison 1 de Sans Artifice, j'écrivais des textes et ça me va pas du tout. En fait, le but d'un podcast, c'est pas du tout d'avoir son texte et de le lire, c'est de parler tout simplement et de dire ce qu'on a sur la tête et sur le cœur. Et du coup, c'est ce que j'essaye de faire. Du coup, j'essaye de trouver des petits sujets, de faire des petites trames quand même et juste des plans, pas des textes. Et là, vu que j'ai au moins 5 sujets décrits d'avance, je pense que je vais essayer de les détailler un petit peu en plan. Voilà, c'est ce que je vais faire là devant une vidéo YouTube. Certainement l'or ou je sais pas, des vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Blue, t'es insupportable. Coucou Ethan, montre aux gens que t'as plus peur de moi. Regardez, avant il avait peur, maintenant il a plus peur. Il m'aime trop, parce que je lui donne de la pizza. Du coup il est content. Ça va Doudou, ça va. Hello tout le monde, nous sommes lundi, je suis totalement au ralenti ce matin. J'ai pas l'habitude de dormir tout seul, hein. Mine de rien, en vrai ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble maintenant que ça fait bizarre de dormir et de se réveiller tout seul. Il va être 8h, je vais aller faire ma skincare, j'ai déjeuné, je me suis occupé des animaux parce que du coup je dois m'occuper des trois aussi, ça prend du temps le matin. Enfin d'avoir les trois à gérer d'un coup. Et du coup là je vais aller faire ma petite skincare, me raser etc. Et après bah, je vais commencer à Et après je vais attaquer le boulot. Comme vous avez vu je repars sur du matcha, fini le café. Je pense m'en faire un dans la matinée jusqu'à ce qu'il y en ait plus, mais pas comme j'en buvais dès le réveil avant. Aujourd'hui j'ai des miniatures murders à faire, un script murders, un tournage murders, un montage murders. It's murders day. Faut que je prépare un live aussi. Soit je le fais ce soir, soit je l'enregistre en amont et je le diffuserai sur Twitch. Je sais pas encore comment je vais faire. J'aimerais préparer une collaboration aussi avec Coreanista, si vous savez, vous savez. Faire des petits contenus actus. Puis voilà, c'est tout, m'occuper un peu de la maison. Et peut-être, si je suis dans un bon état physiquement, filmer mon premier épisode de podcast. Donc attention, hier j'en ai sorti un, mais là j'aimerais en enregistrer et le filmer, si c'est possible. Donc on va voir. Pour l'instant, je vais boire mon matcha, faire ma skincare, et je verrai bien ce qui se passera de toute façon. D'ailleurs, je pense que je vais en profiter pour écouter un podcast. J'ai un petit peu regardé ce que la concurrence fait. J'adore énormément les podcasts de Léna Situation. Alors je pensais pas que j'allais aimer. Pour l'instant, j'ai écouté que les siens à elle toute seule. J'aime beaucoup. Marie aussi, j'aime beaucoup, mais j'ai sélectionné un épisode qui m'intéressait pas, donc je vais essayer d'en trouver un autre. J'aime beaucoup la manière dont elle parle et j'aimerais bien tester Bip Sonore de Shera aussi. D'ailleurs si vous avez des podcasts autres que celles et ceux, enfin celles, ceux
Oh! Autre que de créateurs et créatrices de contenu, mettez-les-moi, enfin créateurs, vous avez compris ce que je veux dire, genre des youtubeurs, des youtubeuses, mais autres, genre je sais pas, des entrepreneurs, des créateurs de contenu qui sont uniquement sur des plateformes de podcast, mettez-moi des noms dans la barre de commentaires parce que je connais pas et j'ai bien envie de découvrir des gens, parce que du coup je comprends pourquoi est-ce que les gens aiment ce format, c'est vraiment t'as quelqu'un avec toi qui te parle, c'est trop bien. Bref voilà, petit matcha, petite skincare, c'est parti mon kiki. Il m'a jamais autant collé qu'aujourd'hui, je trouve ça dingue. Non par contre la caméra maman. Not the camera. Mais non, laisse la caméra, on parle de toi là, on est en train de faire une expérience sociale. Mais oui, je disais donc, il m'a jamais autant collé que depuis que Elliot est parti. C'est-à-dire que là, si je vais dans une autre pièce, il arrive en courant. Alors que d'habitude, il fait sa petite vie et tout. Je pense qu'il aime pas du tout la solitude. Oula, il chasse. N'empêche que t'aimes pas la solitude. Bah oui, là, comme par hasard, t'es redevenu normal, quoi. Bref, il va être 10h. Elliot, normalement, il va partir au bloc. Là, il me répond plus, donc il y a moyen qu'il soit même déjà. Je vais me faire un petit café dans mes magnifiques tasses Action. Je pense que vous avez vu, hein, je les montre partout, je les adore. Je me suis rapidement préparé. Je me suis fait un petit matcha et là je vais aller filmer mes contenus. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses à faire pour Murders. J'aimerais aussi pouvoir filmer un réel actu et je vais préparer mon live, c'est-à-dire que je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le pré-enregistrer et je le diffuserai à l'heure du live pour justement tout simplement ne pas être en direct, parce que en vrai on se rend pas compte mais animer un live c'est un exercice compliqué. Donc je serai dans le chat avec les gens mais moi je serai pas là, je serai en pré-enregistrement, donc je vais enregistrer dans les conditions du direct etc. Mais je trouve que c'est quand même plus simple pour moi. Je ferai peut-être pareil demain si je suis toujours dans le même état, parce que là je vous avoue je suis surtout stressée pour mon mec. Et vu qu'il me répond plus, j'ai bel et bien l'impression qu'il est parti. Donc voilà, petit café et let's go au bureau. Je suis totalement bleu, qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ok, normalement là c'est bon. Je vous ai pas du tout repris de la journée parce qu'en fait je suis rentrée vers midi. Je me suis nourrie et après j'étais un petit peu en panique et j'ai attendu. Dès que j'allume la caméra, il commence à péter les plombs. Et du coup j'ai attendu d'avoir un petit peu des nouvelles de Elliot parce qu'effectivement j'étais très inquiet. J'en ai eu vers 15h, donc avant ça j'étais surtout en train de tourner en boucle. Je devais faire le ménage et tout et j'ai rien fait. Et une fois que j'ai eu des nouvelles, j'ai appelé une amie que j'ai pas vue depuis des années pour qu'elle vienne à la maison, parce qu'elle a déménagé dans les Vosges pour le travail. Et du coup avant de partir en Belgique, je me suis dit quand même, voyons-la. C'était trop bien, du coup trop hâte de la revoir parce que je pense que je vais la faire revenir à la maison. J'avais surtout peur par rapport aux chiens et ils ont été adorables avec elle. Même peut-être un peu trop, je pense qu'ils l'ont pris pour leur maman. Et voilà, donc là il est 20h20, touche nez d'ailleurs, heure miroir. J'ai absolument rien fait de mon après-midi, je pense que d'un côté c'est plutôt pas mal, ça fait du bien. J'ai quand même diffusé mon live en direct sur OBS pour Twitch, mais en n'étant pas en direct, moi j'étais dans le chat. Les viewers, donc vous finalement, avez été ultra compréhensifs, ça fait super plaisir, donc merci pour ça. Là je me suis fait une petite tisane, je vais monter regarder ma série préférée, The Vampire Diaries. Ou peut-être d'ailleurs The Power si c'est sorti. Et je vais me poser tout simplement. Je vais laisser redescendre tout le stress de cette journée. Et demain du coup j'aurai une grande journée pour rattraper un petit peu aujourd'hui. Vous voyez même pas, je suis désolée. Et Elliot de son côté rentre mercredi. Donc je vais essayer de filmer mon émission du mercredi. Mercredi à 8h. Pour justement qu'il soit à la maison, que je sois avec lui, que à la limite j'ai que du montage, mais pas des choses de ouf, parce que je pense qu'il aura besoin de moi. Et moi aussi j'ai hâte de le retrouver. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas du tout à quoi ce vlog va ressembler. J'avais dit que je voulais de moins en moins parler dans les vlogs, mais j'ai l'impression que je suis de plus en plus en train de vous raconter ma vie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez les vlogs où je parle pas du tout, ou les vlogs où je parle trop, j'en sais rien. Je vous avoue qu'aujourd'hui c'est un petit peu décousu. Donc là je vais monter avec ma petite tisane détox. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Hello le vlog, on est mardi, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de soleil dehors, il est 10h, je viens d'accomplir mes petites tâches, j'ai une grande to-do aujourd'hui parce que j'ai deux journées à rattraper, donc je fais un petit peu ce que je peux, et voilà, en vrai je sais pas quoi vous dire le plus, à part que ça y est je parle, les chiens commencent à péter les plombs, pourquoi à chaque fois que j'allume cette caméra ils pètent les plombs? Donc on verra bien ce que la journée me réserve, j'ai quand même pas mal de contenu à faire, je pense faire sauter mon live et mon enquête du jour parce que sinon j'arriverai pas à tout faire, mais voilà, je vais voir comment la journée se découpille et je vous emmène avec moi, comme d'habitude, weekly vlog, let's go!
viens d'arriver au bureau, j'ai décidé d'annuler mon live, d'annuler mon enquête, mais je vais quand même en profiter pour enregistrer le prochain épisode de podcast parce que ça, c'est un exercice qui me fait extrêmement du bien et qui me vide la tête. Et je me suis dit que ben, j'allais en profiter étant donné que je fais pas grand chose aujourd'hui. Il est 12h30, normalement j'aurais fini vers 13h, 13h30. Et en plus de l'enregistrer, je vais le filmer pour cette chaîne. Donc je sais pas si vous l'aurez déjà vu ou pas. Je sais pas trop, en vrai je sais même pas, mais on verra bien. Dans tous les cas, je vais le filmer maintenant, et voilà. Je sais pas si je me maquille ou pas, je sais pas, je pense pas, j'ai pas envie. J'ai envie de dire nous y revoilà, je suis dans le bureau de mon mec, désolé si tu passes par là. Après je dis désolé, mais il sait, c'est lui qui m'a dit que je pouvais y aller. Je vais enregistrer un nouvel épisode de podcast, mais cette fois-ci sans le filmer. Tout à l'heure si vous avez vu, j'ai filmé, et j'avoue que je préfère l'exercice sans la caméra. Donc bah vous verrez, enfin du moins entendrez les épisodes sur cette chaîne parfois sans la vidéo, et pareil pour Spotify, parce que j'ai vu que sur Spotify on pouvait les mettre en vidéo. Du coup j'ai mis en vidéo celui que j'ai filmé, mais je préfère quand même l'exercice sans la caméra, parce que je trouve que je suis plus libre quand je suis filmé. C'est pas pareil, j'ai l'impression que je suis observé. Là je vais me sentir plus libre, et le sujet est quand même assez important pour moi parce que là ça me concerne totalement. Tout à l'heure j'ai enregistré un sur les commentaires négatifs, là ça me concerne moi, donc je pense que c'est mieux de pas filmer. Donc je vais tout installer et je vais utiliser l'ordi de Bye avec son micro qui est exactement le même que moi. Je vais faire des petits réglages et puis c'est parti quoi, let's go. Bon, maintenant il est temps de me nourrir, ça va partir sur des nouilles encore. Vous êtes posé sur un bougeoir. On est mercredi, c'est le jour de mon émission spéciale internet, c'est le jour où Elliot rentre, c'est le jour où je suis claqué. Donc là je vais boire mon café, je vais m'occuper des chiens et je vais aller au bureau filmer. Je pense que je vous prendrai plus là-bas, là faut que je me réveille. Mais voilà, je voulais vous montrer ma petite tête du matin, je suis au bout de ma vie. Il est 9h, je viens de finir de filmer MTTI, je vais rentrer pour le cutter, prendre mes images. L'avantage de cette émission, c'est que je prends mes images en faisant des captures d'écran, du coup je peux le faire en buvant un café. Je sais, faut que j'arrête le café cette semaine, promis, je vais arrêter. Elliot devrait arriver vers 12h30, 13h, du coup je vais faire en sorte de finir ma journée pour ça et m'occuper un petit peu du salon parce qu'il y a un infirmier qui va venir tous les jours. Enfin bref, c'est assez compliqué en ce moment. Donc voilà pour ça, au moins j'ai réussi à filmer, ça c'est plutôt pas mal. Du coup là je vais rentrer, m'occuper des chiens aussi parce qu'ils sont tout seuls les pauvres, du coup vu que j'étais ici. Donc voilà. Normalement vous me voyez bien, coucou. Nous sommes, on est quel jour? On est jeudi je crois, ouais. On est jeudi, il est à peu près 9h. J'ai écrit, préparé tout ce que j'ai à préparer, à filmer. Elliot est rentré hier, c'est pour ça que je vous ai pas repris. Il est assez mal en point, du coup je fais en sorte d'être le plus possible à la maison. Et quand j'y suis pas, eh bien j'ai Ethan, son chien, avec moi. Parce que les chiens ne peuvent pas le voir, sinon il lui saute dessus. S'il lui saute dessus, il risque d'avoir mal. Donc je suis pet-sitter, chef d'entreprise, femme de ménage en ce moment. Ma vie va dans tous les sens, mais c'est pas grave. Je trouve que bah, c'est normal d'être là pour la personne pour qui, enfin, avec qui tu vis. Du coup, pour le moment, c'est Blue qui est un petit peu mis de côté parce qu'il est insupportable et je peux pas gérer les deux au bureau. Du coup, Blue, il est à l'étage inférieur de la maison. Elliot, il est à l'étage supérieur en train de se reposer. Et moi, je suis avec Ethan, qui est juste ici et qui va m'accompagner pendant les tournages aujourd'hui. Du coup, petit programme de la matinée, j'ai un tournage Murders de réel à préparer et j'ai un live aussi à 11h, je l'ai mis à 11h, du coup comme ça cet après-midi je suis tranquille. Et si jamais cet après-midi je dois rebosser ici, ça serait juste pour enregistrer un petit podcast. Et sinon comme ça j'ai que de l'ordi et je peux rester avec Elliot parce que vraiment le pauvre il est mal en point. «
Il est vraiment trop mignon, lui, par contre. Genre, vraiment, au bureau, c'est un amour. Je viens de finir de filmer Murders et mes réels. Il est 9h43. Je vais essayer de monter les deux réels avant 10h. Comme ça, à 10h, je peux rentrer, faire une petite pause, voir Elliot. Et je reviendrai à 11h pour mon live. Ça va, toi? T'es vraiment trop mignon. Regardez, c'est la peluche que je lui ai achetée il y a pas longtemps, puisqu'il avait détruit l'autre. Mais vraiment, il est vraiment trop mignon au bureau. Tiens, prends, tiens. Je pense que je le prendrai plus souvent. Les réels sont montés, il est 10h04, je vais rentrer à la maison, me refaire un café. En ce moment, je ne bois que du café, ça me saoule, mais honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai besoin de coups de fouet en fait, et j'ai pas le temps de faire du matcha, de prendre mon temps et tout. Donc hâte que tout se calme et que tout aille mieux, mais là, je vais rentrer, je vais me faire un café, et j'ai mon live à 11h, je vais peut-être arriver en retard, c'est la vie. Nouvelle journée, nouvelle course, on est vendredi, j'ai un tournage et enregistrement, podcast, il est 11h, faut que je termine tout ça avant midi 15, parce qu'à midi 15, il y a une pharmacie qui nous livre et ensuite on a des courses. Ce matin, j'attendais une livraison de cadeaux pour ma famille, donc là je cours absolument partout. Je sais pas ce que vous verrez aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est le dernier jour du weekly vlog. C'est parti, tournage, yes! Oh, et vous avez vu, j'ai repris le matcha. Je sais pas ce que vous voyez, mais du coup, je vous reprends très vite fait. J'ai dû courir, aller manger, aller chercher le médicament d'Eliott. Et là, il y a les courses qui vont arriver. Donc, je viens d'enregistrer l'épisode de podcast. J'ai filmé ma vidéo juste avant. Donc, je vais rentrer, je vais finir à la maison pour être avec Eliott, les animaux, et tout simplement m'occuper de ce qu'il y a à s'occuper. Je sais pas si le vlog s'arrête maintenant ou si je vous reprends plus tard dans la journée. Quoi qu'il en soit, là, je rentre à la maison. Je fais le malin, mais faut que je me change. Attendez, miniature du vlog, je suis trop beau ici. Voilà, maintenant faut que je me change. Oh my god. Toujours avoir des tenues compliquées à mettre et à enlever, évidemment. Hop. Voilà, maintenant je rentre. When you say I'll be there for you.